21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. On fait le Sarco Game maintenant, donc avec Oliana qui est là maintenant. Salut Oliana. Putain. Salut. Comment ça va? Ça va. Bon bah très bien, hein. Bienvenue à toi. Et puis en face il y a Timothée qui est là. Salut Timothée. Salut. Comment ça va? Bah bien et toi? Oh ouais, ça va bien, ouais. Donc on va faire un petit Sarco Game ce soir. Un spécial avec Ping et Pong qui sont là. Bonsoir Bando. Ping, bonsoir Pong. Comment ça va? Non, je vous entends mal. Je vous entends mal Ping. Bando, très bien, très bien. Ouais, bon bah très bien. Votre technicien il m'étonne n'importe comment. Hein. Pourquoi? Parce que t'es mis n'importe comment. Non mais c'est pas grave en même temps. C'est pas catastrophique. Bon Oliana, t'avais choisi Roux à la base et Timothée avait choisi Sandro, mais comme ce soir on fait un spécial avec les Chinois, donc Oliana, tu veux Ping ou Pong? Je vais prendre Ping. Ping. Oliana prend Ping, donc, et Timothée prendra Ponk. À savoir que c'est un jeu à 4 ce soir, hein, puisque c'est Polo qui aide Maître Ping et Sandro qui aide Maître Pong. Bah Pong est à côté. Ping est à côté de toi. Bando. Voilà, et Pong est à côté de Sandro. T'es Timothée qui est avec moi. Ping, Pong. Et moi, voilà. Et qui t'es Tando? Oui, oui, vous êtes avec Sandro Pong. Ah, t'es tout au bout beaucoup de temps. Ouais. Voilà, voilà. Bon, bref, Oliana, Timothée, on va jouer maintenant. Quelqu'un a la radio derrière lui parce que c'est insupportable. Non, moi j'ai la télé. Et toi, Timothée? Non, bah j'ai tout éteint. T'as tout éteint? Ouais. D'accord. Bon, bah c'est pas grave, hein. C'est juste un téléphone dramatique. Rien de grave. Bon, je teste la machine. Maître Ping est en Pong. Attends, je teste d'abord chez Ping, chez Pong et Sandro. Ça marche. Ok, très bien, parfait. C'est pas facile de... Oui, bah je sais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je teste maintenant chez Ping et... Attendez. Ouais, je teste chez Ping et Polo. Mais vous avez jamais eu ça, les trucs de torture, non? Ah, t'as vu nos musculatures? Si, d'ailleurs, ils ont un problème. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Attends. Tu mets en deux en même temps? Ça fonctionne, très bien. Oui, je peux mettre en même temps, j'ai une machine très évoluée, tu sais. Trop évoluée, j'ai envie de dire. Bon. Et nous avons peine de mort, c'est plus radical. Hein. Comment vous chipotez, Maître Ping? Pas du tout. Ah, ouais. Très bien. Individuel ou collectif? Je peux mettre chacun son tour. T'as vu un peu, c'est ma machine de ouf. Tu chipotes, Polo? Non, pas du tout. T'es sûr? Non. Plus fort. Hop là, voilà. Bon, Oliana et Timothée, vous avez de la chance ce soir, vous êtes par équipe de 3, donc première question. Vous écoutez? Ouais. Selon un sondage, quel pourcentage de Français estiment que les médias font preuve d'indépendance envers Nicolas Sarkozy? J'aime bien le côté selon un sondage. Oui, selon un sondage. Bah c'est Pedro qui écrit les questions. C'est le sondage qu'on a fait dans l'open pit là-bas. Te comprends pas, c'est-à-dire t'es indépendant la presse? Non, selon un sondage, quel pourcentage de Français estiment que les médias font preuve d'indépendance envers Nicolas Sarkozy? Vous croyez que c'était tenture partout? De toute façon, c'est pas vous de répondre, c'est à Oliana ou Timothée. En gros, vous avez une chance sur 99. Hein. Ouais, alors... Oliana, Timothée, une réponse maintenant, attention. 75%. Combien, Timothée? 75%. Je crois qu'on va demander là. Hein. Eh oui, 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 c'est dommage. Bon, alors du coup, beaucoup moins, Timothée. Oliana, tu peux te concerter avec Pong et avec Polo. Eliana, honorable Oliana, réfléchis bien. Ne dis pas bêtises. Sur le chemin de la sagesse, le temps ne fait pas de... Ouais, ne fait pas bon ménage avec les petits. Non, c'est pas ça. C'est sur le chemin de la sagesse. Ping, vous n'avez pas le droit. Pong, vous n'avez pas le droit à la parole. Oui, parce que Ping, t'es moi. C'est pas à vous de jouer là. Bon, Ping. Polo, il a une idée. Polo, il va dire 40%. Et Pong, il va nous faire mal. Et Ping, non, pardon. Non, c'est mec, je peux pas, je peux. Et Ping, pas suivi. Ping, il dit comme lui, mais je sais qu'il va avoir mal. Et bon, et toi, Yana, tu dis quoi? Je dirais 46%. Ah, ça fait mal. Ce n'est pas la bonne réponse. C'était 34% malheureusement. Avec, on allait tout faire. Ouais. Question suivante. À qui Nico a-t-il léché la chatte cette semaine pour désamorcer une tension inquiétante? Attends, répète parce que c'est très compliqué. Timothée, on le fait. Timothée, vas-y, donne réponse. Non, dis rien, Timothée. Non, dis rien, Timothée. À qui Nico a-t-il léché la chatte cette semaine pour désamorcer une tension inquiétante? Ah, bah... Madame blonde. Bon, j'ai bien une réponse, Oliana, Timothée. Timothée, on t'a dit, ne réponds pas. Oliana. Carla Bruni. Mais non. Carla. Mais non. Ah, non. Timothée. Oliana, je t'ai dit de réfléchir avec ta tête avant de répondre avec ta bouche. Timothée, écoute bien Pong. Timothée, il y a Maître Pong qui est peut-être la solution. C'est Angela Merkel. Comment vous dites? Angela Merkel. T'as compris, Timothée? Je pense que c'est une mauvaise réponse. Vas-y. C'est l'accent, je comprends pas ce que tu veux dire. Timothée, tu valides?
Ouais. Mais redis-le toi alors. Tu valides quoi? Parce que je comprends pas ce que Angela Pong dit. Angela Merkel. Ah, et Pong, vous dites comment vous? Angela Merkel. Ouais, je ne comprends pas. Donc Timothée? Angela Merkel. Et non, un point pour toi, Timothée. Hey, pas... hey, arrête, vous êtes fou dans votre tête. Vous chipotez? Non. Est-ce que vous chipotez? Non. 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 On n'est pas d'accord sur un sujet. Arrête. C'est incroyable ça, que ça chipote tout le temps là. Bon, c'est de cuisine. Oliana et Timothée. Avec sagesse et nous sommes d'accord. Sagesse. Très bien. Bon, Timothée, ça fait un point. Troisième question. Combien de points de popularité séparent Nico et son premier ministre dans les sondages? Attends, répète parce que j'ai même pas compris. Combien de points de popularité séparent Nico et son premier ministre dans les sondages? D'accord. Je m'excuse, mais honorable citoyen voudrait avoir petite précision. Est-ce que c'est son âge et d'abdos ou ipso? Comment? LH2 ou Ipsos? Je ne sais pas, c'est pas précisé. Ipsos? Ah, Ipsos. Ipsos, t'es gros douce ou pas? Alors, Oliana, Timothée, une idée? Aucune idée. Oliana? Aucune idée. C'est encore une fois une chance sur 99, hein, enfin sur 100. Yannet a dit un truc. Moi, je dirais... 30, 40. Mais non, mais vous n'avez pas le droit à la parole, Polo. Ah, d'accord, pardon. Attention, enfin Polo et Ping, vous n'avez pas le droit à la parole. Oliana, Timothée, je vous ai une réponse maintenant. C'est un chiffre, un pourcentage, donc allez-y au hasard si vous savez pas. Un pourcentage, Oliana. Oliana. Il a marqué 13 points. Il a marqué 13 points. Hey, c'est une mauvaise réponse. Timothée, tu peux te concerter avec Sandro et avec Pong. Pong, t'as une idée? Donc, alors, t'es, il faut bien comprendre la question. Hein. T'es la différence entre la cote de popularité de Pium et telle de Nicolas Conny. Est-ce que Timothée, tu connais la cote de pop de Nico la cote et... de pop. De Nico et de du ministre de Fion. On sent bien que Sandro, en fait, elle est intime. Parce qu'il suffit de soustraire ou faire une opération, quoi. Chirurgical. Hein. Pong, tu connais ou pas? Moi de croix, mais des peurs de dire des conneries. Vas-y. De croix, t'es 19 pour 1. Le résultat? 19 quoi? 19 pour 1. 19 pour 1? 19 pour 1. 19 pour 100. Timothée, tu valides ou pas? C'est du ratisme, hein, ce que vous faites. Hein. Bah ouais, puisqu'il y a que ça à faire. 19 pour 1. Si, t'aurais pu prendre ton ordinateur et chercher. Ouais, donc 19 pour 1. Non, 19 pour 100. Ah, 19 pour 100. Putain, t'as fait trop fort. Mais non, je peux pas. Ah là. Bon, Oliana. Oui. C'est pareil, dernière chance. Oliana, tu peux te concerter avec Ah bon? Oui, on refait. Ah non, d'accord. On va encore avoir mal. Mais non. Oliana, Maître Ping et Polo sont là pour t'aider. Je répète la question, combien de points de popularité sépare Nico et son premier ministre dans les sondages? Timothée, t'as internet là sous les yeux? Ah des points. C'est Oliana. Tu cherches le numéro de. Polo, t'as une idée? La cote de popularité de Sarko et de Fillon. Polo, Ping et Oliana, ouais. J'ai besoin d'une réponse maintenant. C'est selon points. Ipsos. C'est des points. De 20, 30. Non, moi je dirais 15 points. 15 pour dire quelque chose. 15 points, tu valides Oliana? Polo, il dit quoi? Il dit 30. Polo, il dit de la merde, pas écouter Polo. Dis ce que dit Toff, apparemment. 15, Oliana. Ouais, bah je dirais 15, tu valides 15. Donc, Maître Ping, vous dites combien? Vous dites 15. 15 au ping? Oui. Très bien. Ah, ouais. Timothée. T'avais mis beaucoup trop vite. Ouais, réponse pas bon. Ouais, réponse pas bon. Et Timothée, dernière chance pour toi. En même temps, il a peut-être pas gagné. Timothée, t'as trouvé ou pas? Non. Alors, cherche. Selon Ipsos. Ouais, mais ouais. Là, on va te la prendre juste pour te plaisir parce qu'il a déjà gagné quand même. Oui. Au bout d'un moment, on va nous faire très pour rien là. Alors, bon Timothée. Non, je sais rien. On va dire t'es... Allez, pour tout le monde comme ça. Maître Ping, intelligent, enlevez déjà les... Ah putain, moi, ça prévu. Défonce c'est quoi? Maître Ping, intelligent, c'est 25 points, Sarkozy à 41% et Fillon 66. Bon bah Timothée, c'est gagné, tu vas donc repartir avec avec des cadeaux, tu te repasses le standard, tu gères avec les filles, d'accord Timothée? Je peux faire une dédicace? Bah vas-y, ouais. Ok, alors je fais une dédicace à Léo, Alexis, Gabi que je kiffe trop, Brice... Et Electropo. Ouais. Ok, bah le message est passé. Je peux faire une dédicace? Ouais, vas-y, ouais. Je fais une dédicace à toute ma famille, à Sybille, Lauriane, Karen, Pauline, Jo et Anto, et à toute l'équipe de Dynamic Dance. Ok, d'accord. Le message est passé. Salut, à bientôt. Bisous. Retrouve l'émission sans interdit dans son intégralité sur michael.fm ou tous les soirs, 20h, sur Énergie.